Rebonjour, on est toujours dans le cadre des auditions des travailleurs d'Amazon d'un ensemble de pays européens. Après avoir auditionné des Italiens, des Slovaques, des Allemands et des Espagnols, on est maintenant avec Jean-François Béraud et avec Jean-Sylvère Guillon, qui sont Français, qui sont travailleurs d'Amazon et donc avec qui on va échanger sur les conditions de travail d'Amazon. On a reçu un courrier du directeur Europe d'Amazon qui nous répondait à une sollicitation qu'on lui avait faite. Et donc, dans ce courrier, M. Garambois, Xavier Garambois, le directeur Europe d'Amazon, nous expliquait que bien tout avait été mis en place pour préserver la santé et la sécurité sanitaire des travailleurs d'Amazon dans l'ensemble des entrepôts. On sait que, bon, en France, on a beaucoup, beaucoup entendu parler de la mobilisation des travailleurs d'Amazon et puis de la mobilisation notamment dans le cadre du procès contre Amazon qui s'est fini par une victoire. Et on l'a vu dans les autres auditions avec les travailleurs des autres pays que cette victoire, elle a retenti partout en Europe et elle a beaucoup aidé à la mobilisation et puis à l'amélioration des conditions de travail dans les autres pays. Donc, on va démarrer avec Jean-François et avec Jean-Sylvère sur Amazon. Et d'abord, la première question que je voulais vous poser, c'est que on sait que pendant cette période où on a tous et toutes, partout en Europe, mais donc notamment en France, été appelés à limiter l'activité économique aux seules activités essentielles. Et beaucoup de Français, donc, on a demandé de rester chez eux pour télétravailler, de rester confinés avec des limitations de sortie. Et pour autant, Amazon a augmenté son activité. Il faisait partie de ceux pour qui, au contraire, la crise était une aubaine. Et d'abord, ma première question, donc, c'est comment, au début du confinement, au tout début du confinement, est-ce que ça a été ressenti? Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que vous avez ressenti une augmentation de l'activité dans les entrepôts Amazon et comment ça s'est manifesté? En fait, au niveau de l'impact, nous, ce qu'on a ressenti, c'est que oui, il y avait des forts volumes. On a eu vraiment des très, très forts volumes. Mais pour on ne sait quelle raison, ils ont voulu éviter qu'on se maintienne dans les cadences. Ils ont été assez handicapés par ça parce qu'ils ont voulu mettre des mesures entre guillemets sanitaires, mais qui étaient en dessous de ce qu'il fallait faire. Et donc, on a ressenti qu'il y avait moins de contrôle sur notre temps de travail, etc. Enfin, sur notre productivité, etc. Mais entre guillemets, pour nous, enfin pour moi, c'était une illusion, quoi. On sait que au niveau des travailleurs à contrat à durée indéterminée, il n'y avait pas trop de contrôle dessus, mais on sait que sur les travailleurs temporaires, par contre, il y a vraiment eu certains travailleurs temporaires à qui on leur a dit d'augmenter les cadences, quoi. Donc voilà. Moi, ce que j'ai constaté, du coup, au moment du confinement, j'étais en congé. Donc, en fait, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que je recevais des alertes de gens qui me disaient qu'ils ne pouvaient pas poser leur droit de retrait, qu'on leur demandait de venir au travail parce que ce n'était pas justifié, en fait. Alors, et l'autre problème que je voyais, que j'ai pu constater par contre, c'est qu'ils continuaient d'embaucher des intérimaires, alors que justement, le ministère de la Santé, entre autres, les recommandations médicales, c'était de croiser le moins de monde possible. À cette époque-là, ils parlaient de croiser moins de 6 personnes par jour. Juste en prenant le bus ou en arrivant au travail dans les zones où on se croise, c'était juste impossible. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on a lancé l'alerte pour demander qu'ils réduisent l'activité ou qu'ils ferment le site le temps d'élaborer un vrai plan de prévention, parce que jusque-là, il y avait les seules mesures qui étaient effectives, c'est on se dit pas bonjour et on essaye de garder distance, mais il n'y avait rien de concret par rapport à ça, finalement. Et au niveau de la limitation d'activité, d'abord, il a fallu attendre que les alertes soient posées pour qu'ils commencent à prendre ça en compte. Et ils ont communiqué là-dessus, comme quoi on allait augmenter les produits de première nécessité, sauf qu'il n'y en a pas vraiment, Amazon. Par exemple, s'ils nous annoncent 200 000 unités du jour, enfin du global, on va dire, c'est pas du jour. Donc, on doit avoir 40 000 unités du jour et sur ces 200 000, il va y avoir
même pas 10 000 unités dans les catégories qui ont été mises de première nécessité, la nourriture, les produits alimentaires, les produits sanitaires et les produits d'entretien. Donc on a attendu de voir si ça allait s'améliorer de ce point de vue-là, et on a eu beau vérifier quotidiennement, et ben, il n'y a rien qui a bougé à ce niveau-là, et ça s'est vérifié au moment du jugement, parce que quand... Alors juste peut-être juste avant d'arriver justement au moment du jugement, au niveau des recommandations justement qui ont été faites concrètement dans les entrepôts, donc là j'entends bien qu'il y avait une recommandation qui était mise en place, c'était ne vous rapprochez pas trop. Et sinon, est-ce que les masques étaient fournis? Est-ce que le gel hydroalcoolique était fourni? Est-ce que les distances barrières, il y avait des choses qui ont été mises en place avant donc la mobilisation des salariés, avant ces alertes-là, au début du confinement, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place comme mesure de précaution sanitaire? Ce qui avait été mis en place au niveau de tout ça. Alors déjà, on n'avait pas de masques. Enfin, après, les masques, c'est un vaste débat sur leur efficacité, leur non-efficacité, etc. Donc, je n'entrerai pas sur le port du masque parce que ça crée en conditions réelles. Ça a été demandé par plein de monde, plein de pays, etc. Et on voit que les gens en conditions réelles, le port du masque, c'est très, très délicat à mettre en place, etc. Donc, je n'entrerai pas là-dessus. J'entrerai plus sur le débat au niveau, par exemple, du gel hydroalcoolique. On a dû se battre pour en avoir parce qu'au début, eux, ils nous ont mis une mousse qui n'est pas gel hydroalcoolique, etc. Et dedans, il y a du chlorure de benzalkanium. Et là-dessus, cette substance-là est très peu efficace. Il y a une efficacité, mais très relative contre les coronavirus. Donc nous, on a dit, voilà, il nous faut vraiment du gel hydroalcoolique ou du savon et de l'eau. Mais ils ont vraiment insisté là-dessus sur cette mousse, ils n'arrêtaient pas de la mettre, etc. Donc, on faisait des tours réguliers pour vérifier que c'était qu'il y avait du gel hydroalcoolique là où il devait y en avoir, mais il n'y en avait jamais, enfin, beaucoup ou quoi que ce soit. Donc, là-dessus, on a eu beaucoup de mal. Et puis, ben, niveau distanciation sociale, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place dans un entrepôt, hein. Il y a certains postes où ça ne peut pas être mis en place. Et voilà. Après, je pense que Jeff a peut-être d'autres choses à dire pour éclaircir un peu plus. Je rebondirai sur ce que dira Jeff. Mais. Là-dessus, non, il y a eu, ils ont tardé à prendre à mettre les choses en place. Voilà. Donc, après, on a vu, oui, sur certains postes qu'ils le faisaient, par exemple un peu opaque, mais il était un poste sur deux. Mais voilà, ce n'est pas des mesures qui étaient suffisantes. Moi, de mon point de vue, au début, ce n'était pas assez suffisant. Non, c'est ce qu'on a reproché au départ. Hein, pour le gel, c'était avec parcimonie. Je vais dire que quand on arrive au moment du jugement, à peu près vers le 14 avril, ça fait un mois qu'on a posé le DGI. Du gel, on n'a pas déployé partout. C'est avec parcimonie. Et je suis même pas sûr qu'il n'était pas coupé à l'eau parce que la texture, on l'a trouvée un peu liquide d'ailleurs. Et du coup, ils ont fait un mix, un coup du gel par-ci, un coup la mousse dont Jean-Sylvère parlait par-là. Et du coup, ça a créé pas mal de polémiques, entre autres sur l'efficacité de cette mousse. Du coup, voilà. Maintenant, au moment de la reprise. Cette semaine-là, simplement cette semaine, ils ont redéployé des distributeurs de gel neuf à peu près partout. Et c'est encore pas tout à fait ça, d'après ce que j'ai pu entendre encore ce matin. Mais quand même, là maintenant, ce problème-là, il va être à peu près réglé. Mais on va rentrer dans un problème un peu inverse, c'est que avant c'était pas assez, mais maintenant ça va être trop. Au bout d'un moment, on touche un truc, il faut mettre du gel. Alors, c'est toutes les 5 minutes et après, on a les mains qui chauffent. Hein. Bon, ça crée d'autres débats, d'autres polémiques. Le masque, c'est depuis allez, 2 semaines avant la fermeture. Pareil, commençait à y avoir un masque par jour. Puis, on a dit que ce n'était pas suffisant, donc il en fallait deux. Alors, c'était au volontariat. Après, on voit la façon dont les gens portent le masque ou le mettent sous le menton ou sur la tête ou à l'oreille. Enfin,
le masque tripoté en permanence, ça perd son efficacité. Donc, à un moment, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et puis, pour la reprise, eh ben, ils ont voulu imposer le masque obligatoire toute la journée, tout le temps. Alors que apparemment, ça va provoquer des problèmes peut-être d'hypoxie ou d'autres problèmes un peu respiratoires. Moi, je vois rien qu'en réunion, c'est assez insupportable. Donc après, avec l'effort, la chaleur, bon, on a de la chance. En ce moment, il fait pas chaud, mais la chaleur, l'effort, ça crée un autre risque. Donc, est-ce que c'est bien fait, voilà. Par exemple, quand on est opaque, bah, pendant 90% de son temps, on ne voit plus personne. Donc, est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir tout le temps le masque? Est-ce qu'une visière suffisant, une visière qui se lave et qu'on ne va pas jeter non plus? Parce qu'il y a ça aussi. Après, des masques, on en trouve un peu partout dans la nature, là. Je voudrais rebondir aussi sur les masques. En fait, les masques, il y a certaines normes, etc. Puis il y a certains masques dans les fabrications. On sait qu'il y a certains masques qui n'ont aucune efficacité. Donc, pour moi, enfin, c'est imposer en fait une contrainte sur le travailleur. C'est parce que comme on fait de la manutention tout le temps, en permanence dans l'entrepôt, donc on a besoin de respirer normalement. Donc le masque, ça devient une vraie contrainte, quoi, au niveau physique. On voit des gens qui le mettent sous le nez, etc. Donc le masque ne sert plus à rien. Et je voulais revenir, bah justement, vu qu'on est sur la partie au niveau des mesures d'hygiène, dans tous les entrepôts d'Amazon France ou même à peu près du monde, ils ont mis des caméras thermiques. Et ces caméras thermiques, c'est la société Dahua qui les fait. Et on sait que Dahua a touché énormément d'argent au niveau de l'État chinois, parce qu'en plus, c'est une entreprise qui est à moitié privée, à moitié publique avec l'État chinois. Et Dahua a participé à la construction, enfin, à la surveillance généralisée des Ouïghours dans le Xinjiang. Et c'est quelque chose qui me pose énormément, moi, qui me pose problème, qui est quelque chose comme ça. Ensuite, on sait que Dahua et que les Chinois, etc., utilisent des portes dérobées dans pratiquement beaucoup de leurs technologies. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire scanner notre visage par l'État chinois en passant devant cette caméra thermique, etc. Enfin, là, je ne comprends pas pourquoi ils ont appelé cette société-là, enfin, pour la caméra thermique. D'accord. Et donc, alors, en fait, donc, si on revient donc, un peu, si on fait l'historique de ces 3 mois, donc, il a fallu un jugement au tribunal pour que, enfin, la direction d'Amazon, qui a ensuite fait appel, mais mettre en place des mesures, donc là on a parlé des mesures sanitaires, et par rapport à la question des produits essentiels aussi, on sait que dans ce jugement, il est écrit, et ça a été confirmé en appel, qu'Amazon devait limiter son activité essentiellement voilà, aux produits dits essentiels. Je voulais savoir quel a été l'état d'esprit des salariés alors avant. Donc, est-ce qu'il y avait une peur d'attraper le virus? Est-ce qu'ensuite, avec cette victoire, ça a suscité une prise de confiance en soi? Quel était l'état d'esprit des salariés au cours de ces derniers mois? Alors, au niveau de l'état d'esprit des salariés, avant le jugement, il y avait une partie de salariés qui était très anxieux, une partie un peu moins anxieuse, ce qui fait qu'il y avait quelque chose de pas très hétérogène. Et donc, des fois, entre celui qui est anxieux et celui qui n'est pas très anxieux, il va oublier des gestes barrières, etc. Celui qui est très anxieux, bah, ça va monter en tension et ça a créé certaines tensions. Il y a des salariés qui étaient prêts, qui étaient vraiment tendus, ça criait, etc. Mais oui, après ouais, on a senti que voilà, quand le jugement est parti, etc., ça a soulagé les salariés. Hein. Ça a vraiment soulagé le fait qu'ils apprennent que bah, Amazon avait décidé de fermer des entrepôts. Ça m'a soulagé beaucoup. Hein. Du coup, on a vraiment senti qu'il y avait une tension qui descendait, etc. Même au niveau des agents de sécurité, ils nous l'ont dit, ça sent, c'est moins tendu. Donc, il y a eu un impact. Ça a créé... un mouvement inverse aussi de gens qui ont absolument voulu d'abord que ça ferme pas, puis en plus après qui s'est mis à protester contre la fermeture, y compris en allant manifester à Beauve devant le site à côté d'Amiens là, où ils ont été verbalisés d'ailleurs. Mais il y a eu des gens assez virulents contre... Est-ce que ça avait un lien, ça, avec la stratégie? On a vu que la stratégie de communication d'Amazon était hyper agressive en direction des clients, puis aussi en essayant d'instrumentaliser une partie des salariés. Est-ce que ça avait un lien avec le fait que certains salariés étaient réticents à,
à la mobilisation qui était menée par les syndicats ? On ne peut pas dire que c'était lié, mais ça allait dans le même sens. En tout cas, quand vous avez un directeur qui vous dit que tout va bien, il y a ceux qui vont le croire sur parole, hein, puis il y a les autres. Bon, ben, il y en a qui sont emboîtés là-dedans et qui nous, ben, ils auraient pu, ils nous auraient tiré dessus à boulet rouge. Hein, il n'y a pas de. Voilà. Du coup. Après, bon, ça a fini par retomber, tout ça. Hein. Ils ont vu, quand ils ont fait appel au volontariat pour la reprise, eh ben, ils attendaient 50% facilement. Ben, ils ont eu à peine 30%, et ça, c'est sur tous les sites. Donc, c'est un peu rassurant quand même de voir que une grosse majorité des gens ont préféré rester se protéger que revenir faire des activités pas vraiment essentielles. Voilà. Après, pour revenir à la question, c'est... il faut en arriver au tribunal pour obtenir un compromis où Amazon cède quelque chose, en fait. Sinon, ils suivent le plan qu'on leur a défini à Seattle ou au Luxembourg pour dire on peut vous donner ça, mais en gros, il faudra vous en contenter. Voilà. Et tous les ans, à toutes les négociations, c'est la même chose, en fait. Tant qu'il n'y a pas d'intervention extérieure, ils déroulent un plan. On pose des questions, on fait des remarques. S'il y a une bonne remarque, ils vont peut-être l'intégrer, mais en gros, ça ne va pas plus loin. Voilà. Sinon, en gros, c'est cause toujours. Moi, après, de mon point de vue, là, ce que j'ai vu depuis que j'ai repris l'activité, il y a beaucoup de salariés qui m'ont été quand même très satisfaits de la décision, qui nous disent bah, avant, on n'avait rien en termes de normes de sécurité. Là, on sent vraiment qu'il y a vraiment quelque chose, hein, qu'il y a eu un impact. Hein, il y a vraiment eu un impact. Hein. Il y a beaucoup de salariés qui nous le disent. Après, au niveau des salariés qui étaient pour que ça ne ferme pas, j'ai plus vu ça sur les réseaux sociaux. Ce qu'a fait Amazon, c'est qu'ils ont pris, ils nous ont dit que, enfin, ils ont communiqué sur l'action que ça aurait un impact sur les PME, TPE françaises, etc. Mais ça, on sait que c'est pas vrai du tout, parce que dès qu'une PME, TPE française va signer un contrat avec Amazon, elle risque de perdre un moment tout ce qu'elle a stocké dans l'entrepôt, puisque si Amazon les déférence, enfin, retire les références qu'ils ont dans l'entrepôt, ils perdent tout, hein. Donc ça, c'est un côté, nous dire que notre action allait les impacter, c'est plutôt faux. Moi, de mon point de vue, c'est plutôt faux. Hein. On a les données là-dessus, etc. C'est plutôt faux. Et puis après, oui, moi, je ressens plutôt que ça arrive, on était beaucoup dans l'ensemble. Enfin, de mon point de vue, ça les a soulagés. Hein. Maintenant, le problème, c'est que vu que ça, c'est un lieu clos, on va reprendre, etc. Et on sait que les données qu'on a maintenant, hein, c'est tout ce qui est lieu très très clos, c'est des lieux à forte contamination. Donc il faut voir comment les choses vont évoluer. Mais là-dessus, je pense qu'on n'échappera pas à un moment donné à ce qu'on devienne un cluster. Hein. Mais il faut voir comment ça évolue. Mais alors justement, est-ce que selon vous, ces 3 mois, cette lutte et cette victoire à la fin, le fait aussi par ailleurs que ben, dans l'opinion publique, on a pu voir qu'il y avait aussi un changement vis-à-vis des métiers qui a été déconsidéré et dont on s'est rendu compte que ben, sans eux, on ne pouvait pas fonctionner et que ce n'était pas forcément les métiers les mieux payés qui étaient les plus importants. Est-ce que vous pensez que de tout ça, il va y avoir des répercussions sur l'après au niveau des conditions de travail, que les salariés vont être plus respectés ou que le combat doit continuer ? Moi, je ne pense pas que ça aura un impact. Hein. Personnellement, ce qu'on voit avec ce qui s'est passé avec, par exemple, bah, Auchan qui avait promis la prime à 1 000 euros et puis d'un coup... qu'elle a sauté, non, je ne pense pas. Je pense que là, oui, on était en lumière parce que d'un coup, on devenait essentiel parce qu'il n'y avait plus que nous. En fait, c'est ça, c'est un peu, je crois que c'est un peu ces brèches dans Mère Courage hein, qui dit, pour être pauvre, il faut être courageux, il faut accepter la guerre, il faut accepter ceci, les pauvres sont courageux. Enfin, je ne sais plus la citation de Brecht, mais c'est un peu ça. Hein. C'est les plus pauvres qui sont allés à la casse. Hein. Les plus riches, ils pouvaient partir ou dans leur résidence secondaire ou être en télétravail, mais les plus pauvres, ils étaient dessus. Hein. Après, si je vois que ça va avoir un impact, alors déjà, il y a les mesures qui sont en place, là, tout ce qui est distanciation, ça va encore accentuer ce que Amazon a déjà mis en place, moi, depuis que j'y travaille. Quand j'ai commencé en 2011, on travaillait vraiment en équipe. On était une petite équipe de 40-50 personnes. Et on travaillait tous ensemble. Et tous les jours, je savais que j'allais voir toute mon équipe, voire carrément toute l'équipe élargie de Outbound, tout le côté qu'envoie les colis.
je sais que j'allais voir tout le monde dans la journée, c'était sûr. Maintenant, je vais voir une dizaine de personnes à côté de qui je travaille, mais pas, mais je peux plus dire que je travaille avec. Et ça, les mesures qui sont mises là de distanciation, ça va encore nous isoler un peu plus les uns des autres. On peut encore moins parler, enfin voilà, tout ce qu'on nous pouvait nous reprocher qu'ils faisaient des temps d'arrêt, tout ça, ça, ça va rester. Par contre, les 2 euros, ils sont déjà enlevés, les 2 euros d'augmentation pour, comme prime de risque. Là. Alors voilà, ça c'est… Vous pouvez nous expliquer, vous pouvez, justement, les 2 euros, là, on n'en a pas parlé encore ici. Alors justement, ça c'est… comme Amazon n'a pas donné la prime de 1000 euros, loin de là, hein, ils ont donné une prime de 2 euros de l'heure, un truc un peu généralisé dans le monde. Alors, sauf que suivant les pays, ce n'est pas 2 euros. Vous verrez que les Polonais, hein, c'est 4 zlotys, ce qui fait moins d'un euro. Les Slovaques, c'était 1,50. Voilà, en Eustet, c'est 2 dollars, peu importe. Donc ça, ça fait une prime, ils avaient calculé, en rajoutant les heures sup payées double, en fait, ça faisait une prime de 432 euros pour un mois complet à peu près. Moi, c'est le début d'une nouvelle lutte, en fait. Ça. Vu qu'on nous a qualifiés de travailleurs essentiels, bah, maintenant, il va falloir nous traiter comme travailleurs essentiels et pas que en temps de crise. Ça, bon, on va le voir pour, entre autres pour les NAO, mais en gros, on va demander la pérennisation des 2 euros au moins pour tout le temps de l'après-crise, là, qui ils nous ont défini des mesures qui sont censées courir au moins jusqu'à fin décembre. Donc, au moins jusqu'à fin décembre, on va réclamer ces 2 euros. Et puis. La prime des 1000 euros, nous, on ne va pas s'asseoir dessus comme ils pensent qu'on va faire. Hein. Il y a la prime gilet jaune qu'ils devaient nous donner l'an dernier. Ils sont arrêtés à 500 euros. Ils l'ont pas renouvelée. Enfin, ils ne prévoyaient pas de la renouveler cette année. Mais prime gilet jaune plus la crise, je pense qu'on doit pouvoir… on est légitime à réclamer cette prime de 1000 euros. Voilà. Après, ça se discutera en syndicat, puis peut-être en intersyndical, mais c'est le début d'une nouvelle lutte. Après, l'autre impact, c'est que justement, comme on a eu tout au niveau européen et mondial, on a eu tous le même problème en même temps. Mais on avait déjà identifié tout ça, nous, qu'on avait les mêmes problèmes au niveau de conditions de travail, au niveau salarial, au niveau des primes qu'on pouvait nous donner. Et du coup, malgré qu'on a été confinés, on a eu de plus en plus de contacts, on a vu des groupes se former aux États-Unis. Les ponts, ils sont faits entre les travailleurs et du coup, il faut qu'on peut s'appuyer là-dessus pour obtenir un des meilleurs traitements, tout simplement. Après, comment vous avez fait pour vous organiser, justement, pour vous mettre en lien avec les travailleurs des autres pays? Eh ben, c'est le réseau international qu'on a constitué depuis 5 ans. Là. D'abord, petit à petit, c'est la proximité géographique qui a fait le job entre Poznan et Leipzig, puis Berlin. Et puis, les contacts de nos organisations syndicales ont permis qu'on se regroupe avec Solidaire, Verdi, OSIP en Pologne. Le syndicat slovaque était aussi dans cette boucle-là, donc ça nous rapproche tout ça. Hein. Du coup, on fait des réunions présentielles 2 fois par an. Alors, un coup en Pologne, un coup en Allemagne, un coup en France, ou en Espagne, ou peut-être en Italie la prochaine fois. La prochaine fois est prévue à Lille, d'ailleurs. Mais du coup, on avait déjà une base. Du coup, depuis l'an dernier, on a des contacts américains qui nous ont rejoints aussi. Et du coup, avec la crise, on a pu voir ce qui se passait à Chicago, on a pu voir ce qui se passait à New York, on peut voir ce qui se passe en Italie, on a des retours un peu directs où ils ont caché des choses aux gens. Ils ne leur ont pas dit qu'il y avait des cas confirmés ou même des décès. Et, voilà.
Et du coup, c'est ça qui a aussi qui a accentué notre alerte, hein, c'est qu'on a dit si ça se passe là-bas, ça va se passer chez nous aussi. Et du coup, quand on voit que dans des sites, il y a 60 cas confirmés, qu'ils n'envisagent pas un moment de fermer, un moment, nous, en France, on a des moyens d'agir parce qu'on a un droit du travail encore un peu protecteur malgré toutes les attaques qui sont faites. Et si on n'avait pas pu nous se défendre, on n'imagine pas ce qui se passerait chez les collègues en Pologne ou ailleurs, d'ailleurs, enfin partout. Voilà. Après, sur l'international, sur l'intersyndicale, etc., c'est Jean-François connaît plus le sujet que moi. Mais ce qu'on remarque, c'est que sur plein de choses, là, plein de choses en commun, hein, par exemple, avec 2-3 ans, au niveau des Espagnols, ils les ont changés. Enfin, pour Madrid, les entrepôts de Madrid, ils ont mis sur la convention de transport, enfin, la convention collective du transport, comme ils nous ont fait là avec nous. Ils forcent les choses parce qu'en se faisant passer pour des transporteurs, ils ont des dérogations sur le travail de nuit, sur plein de choses. Et ça leur permet, en tant que commerçant, de tourner H24. Et ça, c'est une grosse problématique parce qu'il faudrait définir est-ce que ce sont des commerçants ou des transporteurs. Moi, pour moi, ce sont des commerçants. Donc, ils n'ont pas à être considérés comme des transporteurs. Cette entreprise ne peut pas tourner H24 7 jours sur 7. C'est une des seules entreprises commerciales, je crois, qui tourne H24 et 7 jours sur 7. Et ça, c'est un problème qui est moral pour les autres commerçants parce que on voit bien que Carrefour, Auchan, etc., ils ne peuvent pas vraiment le faire. Sauf s'ils veulent le faire, c'est qu'ils remplacent les caissières par des choses automatiques. Et puis, j'ai envie de dire aussi que durant cette crise, on a vraiment senti que, en fait, nous, en tant que travailleurs, on était juste un prolongement de l'ordinateur, en fait. C'est ça. Ça, c'est une philosophie qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on est des êtres humains ou est-ce qu'on est juste un outil au service d'un ordinateur? Ça, c'est une question qui est philosophique. Oui, Jean-François. Oui. Non, j'allais confirmer. Hein, on est un petit bout de l'algorithme, en fait, maintenant. Après, c'est vrai ce qu'il disait sur la convention de transport. Ça leur permet une concurrence déloyale par rapport aux autres commerces. Et là, pendant la crise, on l'a bien vu, quand ils ferment les librairies, Amazon pouvait continuer à vendre des livres. Ça, c'est un exemple, mais il y a eu plein d'autres secteurs où des commerces sont fermés. Amazon a pu avoir une sorte de monopole ou d'abus de position dominante, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas de la concurrence loyale du tout. En tout cas. Bon, après, en tant que travailleur, on ne devrait pas dire ça, mais... de travailleurs de chez Amazon, on devrait dire que fallait en profiter, mais moi j'ai une autre philosophie par rapport à ça. Et alors juste pour terminer, en fait, un point qu'on n'a pas abordé, c'est juste en termes de chiffres, est-ce que vous avez, donc même si, comme vous l'avez dit, Amazon est dans une logique où, comme en Italie, ils veulent cacher les cas, mais je crois que pour ce qui concerne la France, vous avez réussi à comptabiliser le nombre de cas de malades, et puis aussi il y a on se rappelle d'un travailleur qui était en réanimation. Est-ce que là-dessus, vous avez des données? Ce sera mon avant-dernière question. Alors, pour les données, pour ça, de ce qu'on nous a dit, hein, parce qu'on ne peut rien vraiment vérifier, apparemment, les nouvelles sont bonnes. Hein. La personne en réa, elle est ressortie, elle est rentrée chez elle, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Par contre, moi, j'ai eu d'autres bruits. De gens qui ont pu contracter le Covid dans les jours qui ont suivi la fermeture, par exemple, ou dans les jours qui ont suivi le dépôt d'alerte qu'on a mis, donc fin mars, on va dire, mais après qu'ils soient rentrés chez eux, donc ils n'ont pas été comptabilisés comme travailleurs contaminés. Et donc, si par exemple, ils ont contracté le virus dans la semaine du 20 et qu'ils étaient rentrés chez eux le 28, il peut y avoir une période la semaine d'avant ou 15 jours avant où ils ont pu être en contact et tous ces gens-là n'ont pas pu le savoir, entre autres. Et du coup, ça peut poser des questions. Après, je pense qu'en France, ils ont été assez transparents. Parce que quand même, il y a du contrôle.
Après, voilà, y a des, ouais, on peut avoir des doutes quand même sur certains trucs. Ouais. Là-dessus, sur les suspicions de cas, moi j'ai vraiment des doutes parce que de toute façon, il y a une donnée qu'on pourra jamais connaître, hein, c'est le fameux R0, hein, vous savez, il est à temps, etc. Dans les entrepôts, on ne pourra jamais vraiment savoir. Et moi, ce que je sais sur le cas qu'on a eu, c'était quelqu'un qui travaillait quand même dans des lieux très clos, hein, c'est le cas qu'on a eu sur l'entrepôt, hein, quelqu'un qui travaillait vraiment dans un lieu très clos. Donc, il y a forcément quelqu'un, soit qui lui a transmis, et comme elle, cette personne était un peu plus sensible, c'est normal qu'elle ait déclaré les symptômes. Du coup, il y a forcément, il y a dû y avoir une grosse contamination, et heureusement qu'on a amené l'action en justice et que ça a stoppé. Parce que je pense que si ça continuait, peut-être qu'on aurait un gros problème au niveau d'Orléans, voire dans la région centre. Hein. La région centre étant une région qui est assez, qui a un désert médical et des personnes âgées, etc. Je pense que ça aurait pu vraiment avoir un gros impact en termes de santé publique dans la région. Donc, ouais, je pense que là-dessus, on ne dit pas tout et ça tourne autour du pot. Mais je pense que oui, il y a eu une forte contagion. Hein. De toute façon, il n'y a que les tests qui nous diront. Hein. Et ça, malheureusement, je pense qu'on ne le saura pas. Oui, d'accord. Et en fait, oui, quand on vous entend, et puis quand on entend aussi les autres travailleurs qu'on auditionne, on a vraiment l'impression qu'en fait, Amazon agit de façon en toute impunité, hein, comme si en fait tout le monde devait prendre ses responsabilités pendant la crise, une crise pandémique comme ça, mais que Amazon, non, ce n'était pas le cas. Vous avez parlé aussi du lien avec la casse des petits commerçants. Là, on arrive dans une période où ça a été difficile pour les petits commerces qui, là, peuvent réouvrir. Et on a des entreprises comme Amazon qui ben, voilà, ont prévu d'ouvrir d'autres entrepôts et vont casser le petit commerce. Et moi, ce qui est frappant là, dans ce que vous racontez, c'est que, comment, en fait, comme Jean-François le disait, donc en ayant vu comment ben, petit à petit, au fil des ans, on voyait de moins en moins les autres collègues, et que là, en plus, avec les mesures barrières, c'était encore pris comme un prétexte pour isoler, en fait. Et comment vous, malgré tout, eh ben, vous avez réussi à créer des liens à l'échelle internationale contre ce. Alors qu'on essaye de vous isoler, vous avez réussi dans cette période justement à s'en servir pour créer des liens, des passerelles entre les travailleurs à l'échelle européenne et puis mondiale même, qui partagent tous les mêmes préoccupations. Et donc la dernière question, c'est comment vous, de votre point de vue, donc vous qui avez du recul sur la façon dont se comporte Amazon à la fois dans les entrepôts, mais plus largement au niveau mondial, comment vous qualifieriez l'attitude d'Amazon? Est-ce que vous diriez que c'est une entreprise, une multinationale responsable? Et comment vous qualifieriez le comportement de cette multinationale? Moi, je pense qu'ils ont été, enfin, ils n'ont pas été, on va dire qu'ils sont plutôt irresponsables. Parce que eux, ce qui compte, c'est dans leurs principes, hein, c'est dans leur truc, leur charte de Lidl, un truc, c'est rien n'est impossible. Et en mettant ce principe-là, c'est aller au suicide. Hein. Enfin, je veux dire que là, dans une situation là, encore, c'est au niveau de la maladie, de ce que c'était pas une maladie qui était au niveau de létalité qui est assez élevée. Mais quand c'est mal géré, ça devient avec un taux de mortalité qui part assez vite. Donc là, leur attitude a été assez irresponsable, etc. Et en fait, tout ce qu'ils ont mis en place, entre guillemets, hein, on voit qu'ils essayent de résoudre le problème que par des moyens techniques. Mais une épidémie, vous ne pouvez pas la résoudre par des moyens techniques. À un moment donné, ce qu'il faut admettre, hein, le meilleur des choix, hein, c'est à un moment donné, c'est arrêter. C'est tout simplement stopper. Et ça, c'est quelque chose qu'eux ne mettront pas en place, etc. Parce que dans leur principe, dans leur façon de fonctionner, c'est nous et rien d'autre, quoi. Leur philosophie, en quelque sorte, ça serait. On vit par nous-mêmes, avec nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et ça, c'est un vrai problème. On peut leur dire. Je veux dire, enfin, pour prendre un exemple, le problème qu'il y a eu là sur le Covid, c'est quelque chose qui a grossi parce que c'est des problèmes qu'on a sur, par exemple, au quotidien, sur les postes de Pâques, les gens qui sont mal au dos, etc. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des vrais assis debout, etc. Non, ce n'est pas possible. Ça fait pas partie de notre philosophie. C'est un standard d'Amazon. Donc, si les gens se brisent le dos, ce n'est pas leur problème. Il faut continuer comme ça, il faut, voilà. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Jean-François. Moi, sur la responsabilité, ouais, je trouve que c'était bon, au minimum irresponsable déjà de continuer d'embaucher du monde. Après, quand je vois ce qui s'est passé à New York ou ce qui se passe à Hambourg, où il y a plus de 60 cas et qu'ils envisagent à aucun moment de fermer les sites pour faire la désinfection,
Bah, je trouve ça limite criminel quand même. Ouais. On expose des gens. Après, bah, en France, la CGT, quand elle a mis son attaque au tribunal pour mise en danger de la vie d'autrui, et ben, c'était comment? Enfin, ils se sont fait débouter et je trouve que c'est pas très normal. Bon, après, je suis pas juge, hein, du coup, voilà. Si on écoute les discours de M. Duval ou M. Bollé, nos entrepôts sont sûrs. Donc, en gros, tout ce qui peut se passer, ce n'est plus de leur responsabilité. On décline la responsabilité collective à l'individuel. Il y a un problème.